Et salut, c'est Ziggy, merci de faire rien, bonjour, je suis sur WWW, sur Black Jouvin. Aujourd'hui, on se retrouve sur The Last of Us pour un tout nouvel épisode, juste devant ce petit fauteuil, comme je vous l'avais dit, bien sûr, comme je vous l'avais prévenu. Allez, hey, bim, c'est la petite arc dans Avatar, toi-même, tu sais. Poing. Donne-le-moi. Je suis assez doué pour le tir. Je vais rien te donner du tout. Je préfère m'occuper de ce genre de choses. Ah oui, oui. Si chacun avait une arme, on pourrait se couvrir l'un l'autre. Non. Eh hey, non mais là je suis à deux doigts de me barrer sans toi, alors fais gaffe, tu me parles pas sur ce ton, ok? Non mais franchement, mais je suis tellement pressé pour The Last of Us partie 2, parce que bon, j'ai pas trop envie de vous spoiler, bon même si vous en foutez. En fait, à la fin, non je colle, voilà, je vais clairement pas vous spoiler, pour la ceux, libre, monte. J'arrive. Enfin pour ceux, il y en a peut-être. Il y a peut-être une seule personne qui suit vraiment bien ce let's play. Ou même zéro. Non mais franchement j'y crois plus. Non mais quand je vois qu'il n'y a aucun commentaire, je suis pas bien, je dis. Eh gros, ça sert à quoi de continuer. Mais bon, je me dis toujours, c'est sûr que vous allez augmenter. Oh merde. T'inquiète pas, je m'y connais en arc. J'étais champion de tir à l'arc olympique de Marc. Mais genre c'est pas mort cette fille de race. Ah chier. Bon écoute. Bill c'est plutôt le genre de gars instable. Bon allez, on se barre sans déconner brutement. Laisse-moi lui parler. Attendez. 5 secondes du bonheur. Compris. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il a un peu de mal avec les étrangers. D'accord. Bill est un type bien, mais. Allez, ouais, ouais, bien sûr. Non, c'est tout. Mais hey, c'est bon, gros, descends. T'es là, tu racontes ta vie. Et si je passe, je meurs. Allez, pour vous, m'en fous. Tu vois ce fil barbelé, reste en dessous, ok. Garde la tête baissée et tout ira bien. Ça marche. Non, foutez. Non. Ah non. Bon, allez, de toute façon, ça va. Ça va me redonner toutes mes vies. Merde, regarde ça. J'ai pas envie de gaspiller une balle. T'as entendu? Ouais. Non mais de toute façon t'es là. Oh, à quoi bon? Oh putain. Merde, tu vas y aller? Je veux voir ce qu'on peut trouver. Ok. T'inquiète pas. Screamer, je vous préviens en avance. Ouais, de toute façon. Maintenant. De ma gueule. Maintenant. Voilà. Bien. Tu te calmes. Oh. Ça va pas ou quoi de me parler comme ça. Bon, pendant qu'on est là, on devrait fouiller cet endroit. Allez, je vais lire la petite note de Rachel. Je vais écouter. Hein, vous pouvez mettre pause. Allez. Ok. Tu crois qu'ils se sont trouvés? Comment je pourrais le savoir? Ouais, mais en toi, tout cas, j'aimerais bien. Ouais, c'est le petit Ezra. Ezra. Allez, bon, moi je me barre. Je trouve qu'on a trouvé grand chose, franchement. On a trouvé des petits tissus qui font plaisir. Des petites munitions, des petits. Ça. Allez, là, on se barre. Attendez, je crois que j'ai une petite idée. Si je prends une bouteille. Allez, c'est une petite bouteille. Tac, boum. Que je fais ça? Putain. Oh, merde. Ces trucs sont plutôt cool. Chacun ses méthodes. Non mais je suis con ou quoi moi? Mais c'est un truc de fou. C'est... Ah, bah c'est bon. Dim, les petites munitions. Tu vois ça? Recule. Attendez. Non. Ça... Ok. Bon, allez. Bon, là au moins je suis pas mort. Allez. Plaisir. Yeah. Attendez. Parce qu'ici, bon. Certes que je vous spoil un peu trop, franchement. Voilà, on est plein de munitions. On va changer. Ah non. Ah non, on garde. Hey, c'est con. Ouais. Ah, d'accord. On ne peut pas sortir. Non, c'était juste pour fouiller un peu.
Allez, dans 3, 2, 1, bismillah. C'est moi qui a fait les bruits avec la bouche. Je te tiens. Putain, Bill. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, c'est la guérilla. C'est encore un des pièges à la con de Bill. Ça arrive, hein. Là, le frigo. J'ai l'impression qu'il fait contrepoids. Ok. Ça arrive. Non, mais je vous préviens. Chut. Regardez. Attendez, en 3, 2, 1. Coupe la corde pour me faire descendre. Je suis pas bien. Là, j'ai froid. Je flippe, là. Clackers. Non, mais c'est parce que c'est infecté. Me mettent vraiment en angoisse. C'est un truc de fou. Merde, ils sont là. Hey. Vas-y, venez. Non mais plus, c'est... Putain, trou du cul. C'est la mort, allez. Dégage. Prenez. Pleine tête. Enfin, plus la gorge. C'est plus la tranchée. Eh! Moi, apparemment, il fait. Je suis dégueu, je vois 4, je vois. Ça dégage. Oh putain, c'est. Ah, c'est incroyable. Viens, mais viens, je te dis! Ça dégage. Ah, 46 balles au bordel. Quand tu veux, Ellie. Quand tu veux, hein, ouais. C'est parce que moi, j'ai clairement tout mon temps. Bordel! Ça va? Ouais! Tu vas y arriver! Fais vite, hein! Ok. C'est bon! Voilà! Merci. Mais tu vas me donner quoi là? Mais c'est quoi cette merde? Fais chier! Ça arrive de tous les côtés, d'accord. Attendez, pleine tête. J'y arrive, je me dors. Ok. Putain, mais. Mais! Allez donc. Bon bah adieu les munitions. Ça fait plaisir à la mission. Allez. Qu'est-ce que tu veux toi pour... Oh mais putain, mais c'est quoi? Allez. Oh là 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 là. Allez. Enfin, c'est un truc de fou. Eh mais j'ai gaspillé 1000 balles environ. Non mais plus sérieusement, j'ai gaspillé combien de balles? J'ai gaspillé peut-être 4. Ouais, bah je vous dirai en commentaire, mais je vous donnerai le délire. Et celui qui trouve le bon nombre de balles. Oh là 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 là. Magnifique. Oui, et celui qui me trouve le bon nombre de balles. Quoi? Moi, à la base, j'avais 17 munitions. Non, mais moi, non, mais c'est terminé. Alors, moi, à la base, j'avais 17 munitions. Là, j'en ai. Non, mais je m'en fous. Allez. Là je me barre. Putain, salut. C'est la mort. D'accord, pas du tout. C'est bon. J'ai toujours envie. C'est bon. Ah voilà. Attendez, je vais vous parler après les amis. Merde. C'était chaud. Merci d'avoir joué les héros. Ellie. Qu'est-ce que... Joël! Bill! Qu'est-ce que vous faites? Bill! Détachez-moi! Tourne-toi et mets-toi à genoux! Attends, calme-toi un peu. Tourne-toi et mets-toi à genoux! Fais pas le malin! Ok, t'énerve pas. Non! Les fais mordre? Non. Les excroissances? Non, putain, j'ai rien. Si je vois le moindre tremblement... Ah, arrête, sale petite garce! T'as fini? Si j'ai fini... Vous débarquez chez moi?
Vous déclenchez mes pièges? Elle manque de me péter le bras avec lequel je tire? Et c'est qui cette petite pastille? Qu'est-ce qu'elle fout ici? Ce que je fous ici vous regarde pas. On est là parce que vous avez des dettes envers lui. Commencez par m'enlever ces menottes. J'ai des dettes envers Joël. Non mais tu plaisantes. Je vais aller droit au but. Il me faut une caisse. Eh ben super la blague. Joël veut une caisse. Dis, si j'en avais une qui marche, qui est loin d'être le cas, qu'est-ce qui te fait croire que je te la filerais? Hein? Bah oui, bien sûr, te gêne pas, prends ma caisse. Prends ma bouffe aussi pendant que tu y es. D'après ce que je vois, vous avez un peu trop de bouffe. Écoute-moi, sale petite conne. Je vous emmerde, vous m'avez attaché. Je veux que tu fermes ta gueule. Oh là 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 là. Ok. Je sais pas à quelle dette tu penses, mais elles valent pas autant. Alors là, Bill, détrompe-toi. De toute façon, j'ai pas de voiture qui marche. Mais il y en a une dans cette ville. Des pièces. Dans cette ville, il y a des pièces. Ça veut dire que tu peux m'en réparer une. D'accord. Et pour faire ça, je vais avoir besoin de matériel. Ok. Il est de l'autre côté de la ville. Tu vas m'aider à le récupérer. Et peut-être que je pourrais t'assembler un truc convenable. Mais après ça, on sera quitte. Ça me va. Dans quelques jours, on sera sûrement mort de toute façon. Bien. Suivez-moi. Toute cette ville est bourrée de pièges. Alors collez-moi au cul. On peut pas le louper. Ferme-la. Oh les bâtards. Oh là, mais ça c'est super marrant. Bon. Je vous conseille d'emporter tout ce qui vous paraît utile. Merci. Quoi? Bon, ben je crois qu'on va s'arrêter ici. Bon. Bah bonne soirée, bonne journée, c'est comme vous voulez. Allez, salut!